On enchaîne les unbox de folie, des talons studio avec, alors c'est un peu dur à dire, gorge et caprine, un truc comme ça, là je vous le dirai exactement. En tout cas, j'ai déjà unbox chez eux, j'ai fait Malenia, la meilleure Malenia du marché pour moi. En plus, la qualité est superbe, ils ont rajouté plein de trucs. Après, ils ont fait Lady Maria, que je n'ai pas prise. Ensuite, nous avons Sister Fried, donc là voilà, j'avais très hâte de l'avoir. Un boss très très dur du DLC, le seul à avoir trois phases de Dark Souls 3, même de tous les Dark Souls confondus. Hein. Je l'ai déjà fait en live, allez, on tout ça. Bon, cette pièce est magnifique, vous n'êtes pas prêt. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Une petite pochette Dark Souls 3 avec une photo de la statue et le certificat d'authenticité signé par l'artiste Kaz. Alors il n'y a pas de numéro d'exemplaire et je crois que dessous il n'y en a pas non plus, je crois que j'avais regardé en live. On a ensuite des gants fournis ici, rien de spécial à part ça. Et dedans il y a le câble USB qui est fourni aussi, hein. Il est dans l'enveloppe, c'est plutôt rare. Câble USB type C, ça c'est bon ça. Bon, il est assez court, donc moi, comme d'hab, je l'ai changé par un qui fait 2-3 mètres, parce que sinon, c'est... Je crois que je vais le mettre pour pouvoir vous allumer, quand même. Ah oui, et surtout, on a un bonus, qui est la bague. La bague qui est superbe. La bague, bon, vous savez, il y a beaucoup de bagues dans le jeu. Franchement, elle est vraiment cool. Bon, elle est énorme. Hein. Faudrait même sur mon pouce, elle est trop grosse. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit socle pour la mettre. Bon, ça, un petit support, pardon. Là, par contre, on a un numéro 258 dedans. Alors, je sais pas si c'est le tirage total ou si c'est mon numéro, j'en sais rien. Ça ressemble à un tirage total, mais après, sur le non-off, on sait jamais trop. Hein. Ce qu'ils ont annoncé à l'après-co, vous y fiez pas du tout. On a une base. Alors, ce qui est bien, c'est que la base, c'est une espèce de croix et c'est exactement comme la Malenia. Et ça, ça fait plaisir parce qu'on a une continuité de la gamme. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Elle est superbe avec toutes les flammes et tout, les pierres, les tombes derrière. Franchement, elle est superbe. Elle est superbe. Il n'y a rien à dire. Les LED qui sont là. Alors, je peux essayer de vous pencher un peu, mais... Alors, je sais pas si on peut les changer ou pas. Faudrait les dessouder et tout, peut-être, les décoller, puis ressouder, etc. Bon, le perso n'y est pas, normalement. Hein. Alors, il y a un plug pour le pied, plus la cape, là, qui rentre dedans. J'ai un peu galéré en live, j'ai beaucoup chauffé, j'ai passé une demi-heure rien que pour mettre le perso. Donc, je vais pas m'amuser à le ressortir pour le replacer, ça c'est clair. Des petits plis au niveau des pieds, ça c'est bien fait, on a un petit grain de peau et tout, les bandages et tout, c'est bien, ils ont mis une culotte aussi, ils l'ont pas mis à poil comme ils font des fois en on-off, et ça c'est bien. On a un petit truc que j'ai déjà mis là, une petite ceinture à mettre autour, bon là c'est rien de compliqué, très texturé, franchement c'est beau, et ça s'allume. Alors, pour s'allumer déjà, on va quand même mettre la belle flamme de résine transparente qui va là. Alors le gros souci, c'est USB-C, mais ils ont eu la bonne idée de faire un mode Pulse, donc du coup, ce n'est pas Alexa compatible. Je suis dégoûté. Bon, la petite télécommande, bon, pour choisir le mode Pulse ou le mode fixe, alors bien entendu, ça marche avec mes autres télécommandes, donc forcément, la Maïchira Nuit là-bas, elle s'allume quand je fais ça, là, donc c'est un peu chiant. Hop. Et franchement, ça rend superbe. J'adore. C'est con parce que là, c'est une statue que j'ai envie d'avoir allumée. Hein. Donc, j'ai mis la télécommande à l'entrée de la pièce et j'appuierai dessus à chaque fois, hein. Tant pis. Hein. Là, cette belle cape, alors ça, c'est du PU ou du PVC. C'est assez rigide quand même, donc ça ressemble plus à du PU. Donc là, il faut la placer sous le bras, comme ça. Pour vous dire, il n'y a pas de notice, hein. Donc vraiment, ça se devine pas tout seul. Heureusement, j'avais quelques conseils du chat sur l'ordre des pièces. Moi, je me spoil jamais, donc c'est vrai que je galère toujours. Une fois qu'on a mis ça, d'ailleurs, ce n'est pas dit que je ne me replante pas dans l'ordre. Hein. On met ceci. Alors, je galère un peu parce qu'elle est très très haute. Hein. On a cette petite traînée de lave qui fait la jonction, et franchement, elle est très cool, ça j'aime beaucoup, c'est une très bonne idée. Comme ça, ça coule la lave et tout, franchement, superbe. On a les résines transparentes qui sont vraiment cool. En fait, elles sont avec des paillettes, il y a plein de paillettes, et c'est la résine transparente grise. Grise avec un petit paint noir, c'est quand même assez beau, j'en ai jamais vu des comme ça. C'est même plutôt rare. Voilà. Et l'autre, on va mettre la faux avant. Ensuite, on a le visage. Alors, le visage, c'est pas évident parce que faut savoir que dans le jeu, on voit pas vraiment son visage. Donc là, ils l'ont un peu inventé. Pour brûler ici, c'est superbe. Les yeux sont bien faits et tout. Franchement, visage assez fin, assez terne. C'est ce qu'il fallait. Hein. Il fallait qu'il soit assez blanc, je pense. Et il reste à la mettre. Le bras cache complètement, donc vraiment, je dézoomerai après, hein, parce que dès qu'on va mettre les faux, ça va être le bordel. Hein. Alors les mains, c'est du 1/4, hein, donc elles sont assez balèzes les mains. Hop, perso qui combat avec deux faux, donc du coup il va falloir mettre les deux faux. Hop, ok, allez, je dézoome. Et méga faux, alors la faux est en PVC, hein, pour pas que ça soit trop lourd, et ça c'est pas plus mal, parce que sinon ça n'aurait pas très bien tenu. Après par contre, je trouve que pour du PVC, la peinture est très jolie, donc l'imitation est vraiment bien faite. Il y a vraiment du taf dessus et ça, ça fait plaisir. Donc du coup, ça dénote pas spécialement. Et ça, c'est plutôt rare, donc il faut le souligner. On y met ça. Et ensuite...
Ensuite, on y met la résine transparente par précaution, ce qui va soutenir en plus la faux, donc ça c'est pas mal. Et la faux va poser dessus, donc ça c'est bien. Franchement, c'est très beau, c'est très harmonieux. Et il reste son autre faux avec là de la résine transparente déjà, elle est magnifique. Vraiment, elle est magnifique. Le manche dans la main. J'arrive pas à remettre bien les doigts, je vais réchauffer au cas où. Voilà. Voilà. Ben voilà. On a une boxette dinguerie. Bon, je fais le petit zoom en musique, on parle de toutes les spécificités après. Fret not, father. We have no need of thy flail. Tis only the flame quivering at misguided ash. Moi, j'espère que le zoom musique vous a plu. Je me rappelle plus trop du boss, j'avoue, parce que j'ai fait qu'une seule fois Dark Souls 3, mais je pense que je vais pas tarder à le refaire. Donc, un des boss vraiment hardcore, c'est du 1 quart par Détalon Studio. Et alors, j'arrive à le dire, c'est Korg, comme le chien, il y a le petit chien à côté, Project Kit. Franchement, ils font du bon taf, cette alliance de studio. Maintenant, ils s'appellent aussi Bard Studio, je pense, parce qu'ils font Sekiro que j'ai préco. Elle était censée faire 80 cm de haut. Et eh bien pour le coup on est à 79 cm de haut, on a gagné 1 cm, 48 de large, je pense qu'on est même plus à 49, et 31 de profondeur, on est à moins en fait, on est qu'à 29, mais il faut rajouter le câble là, si vous le branchez. Hein. Donc c'est sûr que ça va en rajouter un petit peu. J'en ai eu pour 630€ tout compris. On est sur des prix quand même assez intéressants. Malenia était à un bon prix, celle-là était à un bon prix. Comparé au Malikett de Sword and Wing que j'ai, ou le Abyss Watcher que j'avais unbox, on est quand même moins cher pour une qualité quand même que je trouve un poil au-dessus. Donc franchement, il faut une gamme que de femmes, parce qu'on a eu les 4 premières, c'est des femmes de jeux différents. Hein. On commence par Elden Ring, ensuite Bloodborne, ensuite Dark Souls 3 et ensuite Sekiro. On verra ce qu'ils feront ensuite. J'aime beaucoup ce studio. Point faible. Pas de notice déjà, ça m'a fait un peu galérer. Bon, ah si, c'est pas Alexa compatible, ça me dégoûte. D'avoir mis le mode là qui respire là, franchement ça me fait chier. Bon, je vous le mets là, mais j'aurais préféré ne pas l'avoir et pouvoir Alexa compatible que j'ai pas pillé. Bon, ça après c'est que mon cas à moi, c'est pas le cas de tout le monde, il y en a plein qui s'en foutent des LED, on est bien d'accord. Mais sinon, franchement, si on aime le concept, bah, y a pas grand chose à dire. Hein. Ça manque un peu, peut-être un peu de nuances de paint sur sa tenue. Alors on a des trucs brûlés et tout ici là, mais là c'est un peu plus classique, ça mériterait un peu plus de travail, mais bon ça reste léger. Hein. Sinon au point fort, c'est le concept est excellent. Hein. Tous ceux qui, il y en a plein qui connaissent pas Sisterfield, moi je me rappelais même pas du boss. Quand j'ai vu ça, j'ai acheté direct. T'as fait penser un peu à Priscilla avec ses faux, sauf bon on n'est pas dans la glace, etc. Hein, bien entendu. Hein. Superbe, la résine transparente grise, j'aime beaucoup. Les flammes, la base est superbe, j'adore la base avec les LED, ça rend très très bien. Le visage qui est en tout cas qui est bien. Après, on ne sait pas s'il est accurate ou pas, parce qu'on ne l'a pas vraiment vu. Mais vraiment, les doubles faux qui combat. Et en plus, le concept est asymétrique. Ça prend de la place qu'en hauteur, pas en largeur, pas en profondeur. Ça, c'est bien, parce que ça pourrait être un peu le cas de tous les côtés. Ce serait vraiment le bazar. Bon, moi, je continue ma gamme. Franchement, je me régale. J'ai mis la photo sur Insta avec toutes les statues côte à côte. Vous allez voir, ça envoie du lourd. N'hésitez pas à y aller et liker. Et à me suivre d'ailleurs sur mes réseaux, hein, tant qu'à faire. Hein. Bon, vous me dites en commentaire ce que vous avez pensé, si vous avez kiffé comme moi ou pas. Petit like, bien entendu, pour me soutenir et vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao.